Salut tout le monde, tiens goût, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est sur Nioh, un jeu que j'avais déjà pu tester en version alpha. Et on le retrouve aujourd'hui dans une bêta qui, au dire eh bien, du développeur du jeu, alors excusez-moi, je n'ai plus son nom exact, mais sur ses propos, eh bien, il paraît que si vous finissez la démo, si vous finissez les niveaux de la démo, eh bien vous aurez, entre guillemets, des surprises dans la version finale. Tout ça, bien sûr, c'est certainement pour inciter le joueur à acheter la version complète. Pour ma part, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que je serai l'un des premiers acquéreurs de ce titre qui reste, de mes souvenirs, un Dark Souls-like, mais à la sauce féodale et à la difficulté tout aussi difficile. Bref. J'ai peur de faire continuer, j'ai peur de faire une nouvelle partie, sachant qu'en fait le jeu, je viens de le lancer à l'instant. Du coup, je ne me souviens plus du tout des touches. On va se lancer quand même une petite nouvelle partie, en espérant voir des changements. Alors pour ceux qui ont déjà vu la version alpha, je pense pas que cette vidéo soit super intéressante. On va voir si la bêta rajoute quelques plus. Donc, si vous jouez pour la première fois, nous vous recommandons de faire une mission de didacticiel. Voulez-vous commencer une mission de didacticiel? On va dire non parce qu'on est fou. Et il y a cette map, une map qu'il n'y avait pas. Ok. Là, c'est quoi ça? Point de départ. Est-ce que je peux aller au point de départ? Sanctuaire. Ici, qu'est-ce qu'on a? Mission secondaire. Il n'y avait pas ça non plus. Ah bah c'est le didacticiel en fait. Voici un didacticiel qui vous aidera. On va pas le faire. On va commencer ici. Je pense qu'il y a un point d'exclamation, donc je pense que ça va être le début de notre aventure. Mission principale, île des démons. Niveau de mission 3 sur 5. C'est plutôt pas mal d'ailleurs. Je sais pas si c'est la difficulté, plus il y a d'épée, plus c'est dur. Récompense, arquebuse, munitions. Ok. Et 0 sur 9. Il y a des espèces de petites créatures à récupérer. Écoutez, 1600, l'âge de la navigation. Après de nombreux mois à voyager vers l'est, William atteint enfin sa destination, la légendaire terre de l'or, Zimpangu. Mais il ne trouve ici que des monstres et la mort. Donc pour l'instant, ce qui diffère de la version alpha, c'est juste ce côté un peu plus clair, ce menu qui présente peut-être mieux les choses. Bon, c'est pas énormissime, mais c'est toujours des petits plus qui sont bons à prendre. D'ailleurs, j'en profite, je ferai bien évidemment la comparaison avec la version alpha. Mais étant donné que ça fait un petit moment que j'y ai pas joué et que voilà, je m'en souviens plus trop, donc je pourrais pas forcément vous dire toutes les véritables différences qu'il y a. Attendez, je vais me rapprocher de mon écran parce que j'ai un méchant contre-jour. Ok, avril 1600, Uzuki. Alors, d'un point de vue technique, j'ai pas l'impression que ce soit plus joli en fait. J'ai l'impression, c'est vrai que il y a eu pas mal de reproches à ce niveau-là, c'est que eh bien, le jeu, graphiquement parlant, n'est pas des plus jolis. Et vous voyez déjà la qualité de l'eau et tout ça. Et c'est vrai que là, sur cette bêta, bien que le jeu est encore en cours de développement, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un effort de fait là-dessus. Ok, donc on a récupéré le sabre, normalement. Il faut juste que je trouve comment on l'équipe. Sachant que, eh bien, on a différents styles de combat, enfin, différentes poses de combat, pardon. Comment je prends cette épée, alors peut-être comme ça. Ah, voilà. Équipement, arme de mêlée, on va prendre le Binzenden Ushigatana. Voilà, donc là je viens d'équiper, on peut en prendre jusqu'à 2, sauf que j'en ai pas. Arme de distance, j'en ai pas. Et oui, ça je me rappelle, on pouvait l'équiper de différentes armures qui bien sûr lui font changer ses stats. Donc allez, voyez, on est parti. Juste, tac, ok, chercher quoi. Alors c'est un jeu qui est extrêmement difficile, enfin extrêmement, j'exagère peut-être mes mots, mais c'est pas le style de jeu hyper bourrin où vous pouvez vous prendre des coups. Concrètement, de mes souvenirs du moins, vous
prenez un ou deux coups et c'est fini, quoi, vous êtes mort. Donc c'est vraiment un jeu, il faut y aller tout doucement, bien analyser la cible, le terrain également, pour pouvoir essayer un petit peu de s'en sortir. Alors ici, je me souvenais, ah voilà, qu'il y avait une échelle, parce que j'avais réussi dans l'alpha à faire tout le tour de l'île, sauf que je me souvenais pas que l'échelle était cassée. Retirer l'échelle, prendre. Ok. Alors vous le voyez, chaque action faite par le personnage vous enlève, on va appeler ça du stamina, en fait vous avez la barre verte qui est en haut, et du coup vous ne pouvez pas en fait indéfiniment attaquer. Au bout d'un moment, le personnage va s'essouffler. Il me semble également qu'on peut sprinter. Voilà. Voilà, j'ai trouvé. Mais quand on sprint, eh bien c'est la même chose. On perd de l'endurance. Donc ça, il faut essayer toujours de garder un œil là-dessus pour pas arriver en fait à court d'endurance et arriver devant l'ennemi et pas pouvoir se défendre. Là, c'est se défendre. Ok, chercher. Ok, L1, c'est pour la garde. Hop, on va récupérer encore des trucs. Et il me semble qu'il y a un ennemi ici. Voilà. Allez, on en profite. Tac. Non, il n'y a pas une touche pour le... Ah, si, voilà. On va faire gaffe. Hop, c'est bon. Bon, là, ça va, il était tout seul. Mais quand ils sont nombreux, je me souviens, c'est limite abusé, quoi. C'est très, très difficile. Alors, je vais hop sprint. Bon, ça, c'est ce que je viens d'apprendre. J'ai récupéré de l'équipement que je vais m'empresser de mettre tout de suite. Alors, c'est quoi ça? Ok, non, on va prendre celui-ci. Voilà, petite armure. Armure bras, j'en ai pas. Pantalon. Bon, on va lui laisser ça. Bottes, est-ce que j'ai récupéré? Oui. Voilà, ça lui donne un petit côté samouraï bien sympathique. Alors moi c'est vrai que j'aime bien tout ce qui tourne autour du Japon, notamment l'époque féodale japonaise. C'est vrai que c'est une période du Japon qui est en tout cas pour moi très intéressante. Ici on retrouve ce côté nippon à l'ancienne mélangé avec une sorte de dark fantasy, enfin fantasy dark, une ambiance plutôt dark. On le voit tout à l'heure là, le mec qui s'est levé qui était un petit peu en mode zombie. Vous verrez par la suite, il y a vraiment des monstres. Alors je sais pas s'ils sont comment dire, s'ils sont issus du folklore japonais. Ça par contre je connais pas grand chose. Verrouiller, changer de cible. Ok, donc là alors il compte plusieurs. Donc est-ce que si je vais derrière tu lui portes une attaque? Allez, on attaque, on attaque. Oh la vache, oh la vache, j'ai tout épuisé, j'ai tout épuisé. Ok. Bon. Ah d'accord, mais ça j'avais oublié aussi également. Quand on. Ah oui, ça prend en compte, hein. Quand on se défend, eh bien, ça use également de l'endurance. Il aurait peut-être pu l'achever. Donc ça aussi, ça prend en compte. Au final, il perd. Et dans chaque action qu'il fait, ou qu'il reçoit, en fait, il perd de l'endurance à chaque fois. C'est vraiment chaud. Bon, je pense que. On pourra. Attends, je vais rentrer là-dedans en regardant. On sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Ils ont peut-être ajouté des petits méchants. Oui, je disais, je suppose qu'avec les effets qu'on doit gagner en tuant des monstres, en tuant des samouraïs, on doit gagner des points d'expérience qui nous permettront, je pense, d'améliorer eh bien cette barre de stamina. En tout cas, je l'espère parce que sans quoi, eh bien, ça va être un peu compliqué. Mais bon, on est au début du jeu. Hop, une petite plante. Non, c'est même pas une plante. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Je sais pas. Ah, mais si, c'est le petit machin à récupérer, à trouver. Ok, donc il y en a 9 à trouver. Je viens de trouver mon premier Pokémon. Voilà. On va dire que c'est un Pokémon. Mon premier Pokémon. Ah, attendez. Ah, ok, il y a une touche d'esquive. Ça, j'avais oublié. Alors moi, j'aime beaucoup ce style de jeu. Si vous êtes un amateur des Dark Souls, des Demon Souls, etc., etc. Je pense que ce jeu peut vraiment vous plaire. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'il était en train de fouiller? Qu'est-ce qu'il était en train de fouiller? Hop. Si seulement j'avais des armes, je pourrais me défendre. Côte fantassin. Ok, on récupère la diff. Ça, c'est cool, ça. On récupère pas mal de petits objets. Qu'est-ce que c'est? Affronter le revenant. Ah oui. J'ai oublié. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. J'avais déjà émis des suppositions au moment où j'ai fait l'alpha.
mais il me semble que c'est un joueur comme vous et moi qui est mort à cet endroit-là, et du coup, on a la possibilité de l'affronter tout simplement. Et peut-être que je me trompe, mais on pourra peut-être, si j'arrive à le tuer, à récupérer le matériel qu'il avait sur lui. Écoutez, je vais pas prendre le risque, j'ai pas envie de perdre bêtement à ce stade du jeu. Même si je suis encore qu'au début, j'ai pas envie de refaire tous les combats. Donc on va progresser. Je vais juste revérifier parce que j'avais. Il me semble que j'ai récupéré quelque chose. Voilà. De toute façon, c'est simple. Hein. Quand il y a un nouvel objet qui s'ajoute, on a un point d'exclamation qui apparaît. Comme tout. Ah oui, d'accord, je peux mettre plein de raccourcis. Alors. Ce que j'aimerais bien faire. C'est quoi? Ah oui, mais c'est parce que je suis sur le menu. C'est trouver les différentes positions. Vous le voyez en bas à droite, il y a une espèce de petit rond où on voit différentes positions du maintien du sabre. Et en fonction bien de ces positions, le personnage va adopter des techniques plus ou moins différentes qui seront à utiliser selon les circonstances, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez. J'aime bien mon personnage, là, je trouve. Il a un petit air de. Comment il s'appelle? Mitsurugi, si vous connaissez Soul Calibur. Ou Soul Blade. Comment je vais faire? Alors, il y a cette technique. Ok. Peut-être que je me. Ah, voilà, c'est ça. Ok. Ok, cette position. Oh là là, la classe. Toujours autant la classe, les samouraïs. Alors, du coup. Ok, il combat de cette manière. Celle-ci. Ok, c'est des mouvements, on va dire, un peu plus amples. Ici, ça m'a l'air d'être plus lent, mais les attaques bien plus costauds, bien plus lourdes. Et ici, ici, écoutez, j'en sais rien. Je sais pas quoi ça sert en fait de ranger son fourreau. C'est peut-être pour faire une attaque super rapide en sortant du fourreau. Je sais pas du tout. On va rester sur l'attaque standard, qui me va plutôt bien. Quoi ça? Chercher. Changer. Ah voilà, mais en fait, ils m'apprennent tout, mais quand je le sais déjà, quoi. Ok. Oula oula. Allez. Oula vache. Oula vache, oula vache, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Sans, je récupère de l'endurance. Hop. Voilà, il est mort. Un point. Ah, obtenez un point de compétence. Mais il est pas mort. Oh la zut. Voilà. Bon. Il y a une chose à savoir que je vous ai pas dit, c'est que ce jeu, j'avais réussi, même si j'avais pas trop compris sur l'alpha, à jouer en équipe avec un autre joueur. Ça, c'était plutôt cool. J'étais tombé avec un mec qui savait super bien jouer, qui avait l'air d'être dans un stade plutôt avancé. Parce qu'il avait une super belle armure, il avait toute la panoplie du véritable samouraï. Alors, attendez, je vais tenter la position attaque lourde. Un risque que je vais prendre, mais je tente le coup. Voilà. Oula, oula, oula. Oh, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. On va passer en attaque standard. Allez, attaque. Attaque. Il veut pas. Hein. Ah oui, mais là, du coup, j'ai l'impression que ma portée est réduite. Ok. Ok. J'essaie des coups. Ah mais j'ai plus de. Ok, j'ai plus de stamina. Ok, j'ai récupéré une lance. Changer d'arme de mêlée. R1. Et. Ok, donc je vais me mettre une petite lance. Il me semble que. Ouais, les points de compétence à attribuer également. Ouais, donc arme de mêlée 2, ça doit être une lance, hein, logiquement. Ok, lance. On passe de 35 à 94 avec cette lance. Qui doit me fournir une bonne portée d'attaque. Ok, on va aller voir l'arbre des compétences. Transpercement. Bon, je suppose que c'est des attaques létales, des attaques directes. Purification du royaume yokai, je ne sais pas du tout ce que c'est. Lancer. Ah, on peut lancer les vidéos maintenant? Ok, ah ça c'est cool ça, attendez, attendez, oula, je m'emporte. Tac. Ouais, alors désolé si vous entendez mes voisins parler, ils sont dans le couloir là, ils oublient qu'il y a des gens.
qui sont à côté. Zut, non! Du coup, je viens de le. Non, je crois que j'ai appris ce truc, je sais même pas c'est quoi. Impulsion du ki, de ki, ciel. Compétence de posture haute s'active lorsque vous récupérez tout votre ki après une impulsion de ki augmente les dégâts infligés par votre prochaine attaque. Zut! Double katana, lance. Ah, parce que. Ah, ça c'est bien ça. En fonction de l'arme. En fait, je pensais à la base que c'était un arbre de compétences que global pour le personnage et qu'il n'y avait que ça. En fait, non, c'est pour chaque arme, il y a un arbre de, une arme de compétences. Bon, un arbre de compétences, pardon. Ouais. Ok. Après, il y en aura peut-être d'autres par la suite. Ok, bon. Donc, il faut faire ça. Enfin, comment il faut faire là? Je sais plus. Pourquoi ça marche plus? Ok, là normalement je suis à la lance. Ok, on va tenter un petit peu la lance, histoire qu'on voie bien tous les toutes les armes possibles. Alors je sais pas combien de temps va durer la vidéo. Je vais essayer de jouer jusqu'à l'entrée du village, tout simplement. Est-ce que je peux rentrer dans les maisons? Je me souviens plus. Coup de grâce près d'un ennemi à terre. Ah ok, ça tout à l'heure. Oh purée. Oh les guet-apens. Ouh là 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 là. C'est pas bon ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Ouh, ah ça c'est cool. L'avantage de la lance c'est que ça fait des dégâts de zone. La vache. Oh la vache. Nickel, j'adore, j'adore, j'adore la lance. J'adore la lance. Je pense, je suis pas sûr, mais je crois que le mieux. C'est que lorsqu'il y a plein d'ennemis en face de vous, l'avantage de la lance c'est que ça fait vraiment des dégâts de zone avec une grande amplitude. Tandis que le katana, je pense que c'est plus utile face au duel, voire contre deux ennemis. Au-delà, ça devient un peu plus compliqué, je pense. Là, la lance pour le coup m'a bien servi. Oh la vache. Attendez, on va récupérer un peu d'énergie. Oula, il y a le feu. C'est marrant. Ok, on a enlevé le feu et la lumière est partie. Des petits détails comme ça qui sont marrants. Hop, je rentre. Ok, y a personne. On récupère tout plein de petites choses. Des nouvelles tenues. Un nouveau sabre que je vais m'empresser à chaque fois bien de voir les stats. Donc on passe à 52. Donc ça c'est cool. On peut voir directement, hein, vous voyez, multiplicateur d'attaque 52, comme ça d'un simple coup d'œil. On voit si c'est mieux ou moins bien. La lance, ça reste l'arme la plus puissante que j'ai dans mon inventaire. Et ici, voilà. Ah, là, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a déjà une allure un peu plus stylée. Il est stylé. J'aime bien ce jeu. J'aime bien ça. J'adhère. Franchement. Ah, mais là, j'en ai deux. J'ai deux sabres. Je me souviens plus. Ah, attendez. Hop. Oh là 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 là. Mais j'avais pas ça moi au début. Hein. Oh là là, c'est stylé, c'est stylé. Alors en haut à gauche, tout en haut à gauche, il y a une espèce de sphère qui brille. Et je suppose que c'est mon attaque spéciale. Parce qu'au fur et à mesure, j'ai remarqué, elle se remplissait. Donc je pense que ça doit être un super qui vient de se charger. Je suppose encore une fois qu'ils vont m'indiquer comment l'utiliser. Pierre d'esprit. Voilà. Est-ce que je peux péter les portes? Parce que sachant on peut rentrer dedans. Non, on peut pas. Hop, on y va. En mode ninja, en mode Naruto avec les bras sur le côté. Oula. Purée, ils me surprennent à chaque fois. Alors toi mon gars, tu vas pas faire long feu. Là j'ai mes deux sabres. Deux fois plus de dégâts, je pense. Voilà. Ça va, quand ils sont tout seuls, moi ça me pose pas de problème. Purée, oh purée, oh purée. Allez, tombe par terre, tu veux pas tomber par terre là que j'essaye une exécution. Ça c'est quoi ce truc? Chercher. Ah mais attendez, ça je crois que. Non, non c'est pas ça. Vous devez régler votre ki pour une impulsion de ki après vos attaques. La pureté de votre cœur restaurera alors votre ki. Impulsion de ki R1 lorsqu'une lumière bleue vous entoure après une attaque. R1. Comment ça? Je vais tenter, je vais tenter. Dès que je vois un truc bleu, je fais R1 derrière, tout en me défendant ou. Bon, on va essayer, hein. Je promets rien.
Alors ce qui est marrant, c'est que quand on récupère des orbes sur les cadavres, on dirait leur dernière parole. Ouh là, il y en a un là-bas. Il y en a un là-bas. Il y en a deux. Ça, attendez, attendez, ça, c'est un coup, il faut prendre la lance. Ok. Oh purée! Oh là là, le four! Le four, mais d'où il sort? Ah mais attendez, mais lui aussi, il y a une jauge de stamina, j'avais zappé ça. Je vais l'achever. Non, je sais pas. Oh nickel, 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 j'adore. J'ai pas fait attention, mais vous avez une barre sur les ennemis, vous avez leur barre de vie et leur barre également d'endurance. Donc ça c'est cool. On est. Ah mais il y en a un autre là-haut là. On est de ce point de vue-là au même niveau. Par contre là, la vie, je me suis pris, vous le voyez, il me semble, un seul coup, mais j'ai quand même perdu énormément de vie. Hein. On va se la faire en mode furtif. Attends, je vais essayer de faire triangle. Non, ça ne change. Oh, mais ils savent se défendre aussi maintenant. Oh purée, maintenant il y en a un autre là-haut avec. Non, 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 non. Je m'enfuis. C'est bon, j'ai rien fait. Où est-ce qu'on se soigne? Où est-ce qu'on se soigne? S'il vous plaît. Ah, je m'en souviens de ça. Je me souviens que à l'époque, déjà, ils étaient assez costauds. Non. Là 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 là. Ah là là. Allez. Et crève. Fou 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 fou. Il y en a un autre là-bas. Ah, attendez, je vais regardez tout autour de moi si je peux me soigner tranquillement. Je ne sais pas du tout si j'ai de quoi me soigner. En même temps, je suis parti un petit peu comme un voleur. Hop. Objet. C'est où les soins? C'est où les soins? Fragment, ça doit être ça, non? Éclat d'un arbre sacré utilisé comme réceptacle sacré durant utiliser tout besoin. Alors pourquoi j'ai vérifié si autour de moi il n'y avait pas d'ennemis? Parce que le jeu ne se met pas réellement en pause hein, lorsque vous êtes sur l'inventaire. Au sacré. C'est quoi? Ils peuvent pas l'appeler potion là tout simplement. Objet clé, c'était ces trucs-là, non? Allez, cristal utilisé pour. Ah, c'est peut-être ça alors. Bon écoutez, on va essayer hein. Et on va. Non, ça c'est pour récupérer des orbes. L'élixir, c'est quoi? Ah, bah voilà, c'est ça en fait, tout simplement, élixir. Et ça m'a restauré de combien? Ouais, c'est bon, c'est suffisant. C'est suffisant, qu'est-ce que c'est que ça? Hop, équipement. On va récupérer. Bah, c'est le. Ouais, c'est. J'ai récupéré la même chose en fait. Je pense qu'on pourra par la suite les revendre. Ça va me donner des petits sous-sous. On va repasser par là. Du coup, je suis un petit peu perdu. Je suis un peu perdu, je vous avoue. Hein. Il me semble que je suis venu. Ah, il y a l'autre là-haut. Voilà. Comment je fais pour. Ok. Ah, attendez. On va pas. Oh là là, mais ils sont combien? C'est quoi ce délire? Ils sont toute une armée. Oh purée, puis il y a l'autre derrière moi là. Oh là là. Là, attendez, je fuis comme ça. L'autre qui m'attaque va me suivre logiquement et on pourra se faire un duel équitable. Oh mais ça c'est cool, j'ai pas fait attention mais en fait je l'ai épuisé. Il y a l'autre là-haut là. Oh là 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 là. Bon, un en moins. Il y a l'autre. Oh là là, mais ils ont des haches et tout, ils ont des trucs de fou. Moi j'ai pas. Je peux pas faire ce qu'il fait. Allez, suis-moi toi. Non! Non! Oh purée. Oh purée, est-ce que j'ai le temps de prendre de l'élixir? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps? Objet. Allez. Non, non. Oh la vache. Oh là là. Ouf. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Ok. Allez, je t'achève. C'est pas évident. C'est pas évident. Vous le voyez, ce jeu a beau être sympathique, plutôt plaisant à jouer, il a une difficulté qui est vraiment, vraiment élevée. J'ai pas eu le choix au début du jeu, vous l'avez vu, de choisir son niveau de difficulté. Surtout que
De mes souvenirs. Ah oui, d'accord, il est passé au sabre. De mes souvenirs, il n'y a pas. Enfin, les sauvegardes, je sais plus trop exactement à quel moment elles se situent. Allez, attaque! Ok, ok. Bah, c'est un jeu quand même qui met la pression. Faut pas se le cacher. Ah, c'est bon, j'ai un arc. Je vais l'équiper comme ça. On va voir comment on l'utilise. Je vais le remplacer. Ah, mais j'ai une hache également. 99. Non, écoutez, on s'en fout de l'arc. On va prendre carrément la hache. Hop. Bon, vous avez rien perdu. J'ai eu une petite embuscade sur la droite, mais j'en suis venu à bout. Donc la hache, elle fait assez mal. Par contre, elle utilise pas mal de stamina, donc à utiliser avec précaution. Bon, on va rester sur la hache parce que j'aime bien faire un petit peu le bourrin. Où est-ce qu'il faut aller? Je crois que c'est par là. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est. Oh purée, je l'ai pas vu lui. Oh là là, ça y est, les premiers monstres bizarres arrivent. C'est quoi ça? Je récupère des armes de fou là, fait. En plus, il m'a fait peur. Ah mais attendez, c'est là où non non, on va pas descendre sinon je vais devoir faire tout le tour, même s'il y a un cadavre en bas pour récupérer un objet, on va pas le récupérer, on va rester en haut, j'ai pas envie de faire tout le tour. Et puis bon, je pense que je l'aurais fait si j'étais sur la version finale. Bon, je suis toujours pas arrivé au village, ça ne serait tardé hein, je pense que c'est par là. Là, ça sent le village, là ici. Je sais pas vous, mais ça sent le village, ça sent le village. Voilà, c'est là-haut, je le sens. Je sens que c'est là-haut. Ah, attendez, je vais pas. Ah, attendez, c'est quoi? C'est ici, là Non, je sais plus. Prier. Je me souviens plus. C'est ici qu'on sauvegarde, non? Je ne sais plus. Capacité à recevoir la bénédiction de Kodama a été débloquée. Montée de niveau. Ah ok, on monte ton niveau uniquement dans ces hôtels. Invoquer un visiteur. Donc ça c'est pour jouer avec un petit camarade. On va tenter ça. Je suis pas sûr que ça va fonctionner. Si ça fonctionne. Il faut faire une offrande par contre. Ok, donc on va faire on va offrir trois au choco. Et j'ai reçu du sel. Ok. Très bien. Et on sauvegarde comment? C'est automatique ou je sais pas. Peut-être je me souviens plus si c'est en s'approchant d'un hôtel. On verra bien. Alors il me semble que là la recherche continue de s'effectuer. Purée! Ah putain. Les gars, prévenez quand vous attaquez comme ça. Voilà. On va récupérer un peu de. Ok, ça y est, on arrive au petit village. Oh, je sais pas si on peut appeler ça un petit village, mais. Tir précis, maintenir L2. Ah oui, mais ça c'est pour le. C'est pour les flèches. Non. Si je... Non, 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 non. Lève-toi! Mais purée, c'est pas possible! Ah, il voulait pas mourir. Bon, la hache c'est cool, mais je vais retourner au katana. C'est trop lourd, c'est trop lourd. En plus, j'ai récupéré d'autres petites choses. Donc, au niveau des sabres, on va essayer de rester avec un bon sabre et une lance. Hein. Donc, on a cela. Et je vais mettre la lance en fait que je n'ai pas lancée. Faut que je mette. Arme à distance. Ah mais ça je peux l'équiper, ok aussi. Ok, ok, ok. On est bon. On est bon. D'ailleurs, ça me fait penser que tout à l'heure j'ai pris le risque de passer dans les menus pour utiliser des élixirs. Mais en fait, les raccourcis qui sont en bas me permettent tout simplement de les assigner. Donc là, logiquement. Alors je sais pas sur quelle touche c'est assigné. Je suppose que c'est la touche haut. Ou pas. Faudrait que j'essaye quand je serai un peu plus. Ah bah attends, je vais essayer.
Non. Non. Ok, je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi, ça marche pas. Objet. Ouais, je veux bien, mais on l'utilise comment? Parce qu'à gauche, je vois qu'elle est les croix directionnelles de la manette, donc définir comme raccourci. Ok. Ça marche pas. Bon, je sais pas. Il faut peut-être rester enfoncé. Pourquoi ça veut pas? Ça m'embête. Elixir, et là c'est bon ou pas? Oh purée, je sais pas. Bon, on va pas perdre de temps là-dessus. Oula, là, il y a un ennemi. Ok. Oh, bah ça y est, j'ai trouvé. Sans le vouloir. Changer de posture. Je sais pas pourquoi je me mets à chuchoter, mais c'est pas grave. Oh la vache! Oh là 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 là, ça a fait mal ça. Ça, vous avez vu toutes les petites attaques simultanées? Non! Bon. Il y a quand même beaucoup de monde là-dedans, il faut dire ce qu'il y a. Bon, on va voir où est-ce que je suis mort. Et en fonction de là où je serai mort, peut-être que je reprendrai ou pas, je ne sais pas. La vidéo commence à se faire un petit peu longue, donc je pense que je vais m'arrêter là et je suis. Ouais. En fait, ça sauvegarde à l'endroit où j'ai prié, tout simplement. Par contre, tous les ennemis qui ont été tués réapparaissent. Et j'espère que ce n'est pas. Je me souviens plus, mais je crois que c'est exactement comme dans Dark Souls. Quand vous êtes mort, vous laissez en fait tous les points d'expérience que vous avez accumulés à l'endroit où votre corps est resté. Du coup, il me semble. Attendez, on va vérifier. De toute façon, je suis mort au début du village. Donc, si je remeurs, c'est pas très grave. Je l'avais oublié. Salut, toi. Ouais. Oui, bah voilà. Regardez. Hop, touché. Et là, je récupère. Je ne sais pas trop quoi. Voilà, je récupère. Ouais, c'est ça en fait. Bon. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo sur Nioh vous aura fait plaisir. J'ai pas noté, alors c'est un petit peu dommage, mais il n'y a pas eu pour moi de véritable différence transcendante avec la version alpha que j'ai pu faire juste avant. Le jeu reste pour le moins identique. La seule véritable différence que j'ai pu noter, c'est juste sur le début du jeu, en fait, sur le menu tout simplement. Alors ici, il y a un gros monstre, il me semble. Ouais, voilà, je m'en rappelle. Waouh, waouh, waouh. Et voilà, donc c'est un petit peu dommage. Par contre, le jeu reste toujours aussi plaisant. Il faut aimer ce type de jeu. Il faut aimer aussi, bien sûr, l'univers féodal japonais. Et puis, si vous avez un petit peu de mal comme moi à ce jeu, vous avez toujours la possibilité, bien sûr, de jouer avec un camarade en ligne. Alors, je sais pas, il n'y a pas, en tout cas pour l'heure, il n'y a pas de système d'invitation pour inviter un copain bien précisément. C'est quelqu'un qui va venir, qui est en ligne tout simplement, qui joue comme vous. Donc c'est quelqu'un que vous n'allez pas connaître, mais bon, ça peut toujours être utile de combattre à deux que tout seul. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, enfin, petite entre guillemets. Mais bon, je pense que ce jeu vaut bien au moins ces quelques minutes passées ensemble. N'hésitez pas à télécharger cette bêta, sachant que si vous comptez acheter le jeu complet, eh bien, si vous finissez cette bêta, vous aurez des petites surprises qui, désolé, j'ai pas l'info, mais en tout cas, c'est des petits cadeaux. Peut-être que vous allez récupérer l'équipement que vous avez accumulé, peut-être que vous allez récupérer l'expérience ou l'argent que vous avez accumulé sur cette bêta. On verra bien. Bref, je vous dis donc à très bientôt, portez-vous bien, salut tout le monde. Ah, tu m'as pas eu. Je t'ai pas oublié cette fois-ci. Ah, il tombe. Comment?